À vélo, tu parcours un cinquième de kilomètre par minute. Il te faut 10 tiers de minute pour aller chez ton ami depuis chez toi. Quelle est la distance entre chez toi et la maison de ton ami? On a ici quelques photos d'hommes qui sont à vélo pour illustrer notre problème. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, ils n'ont pas l'air d'aller très vite. Regarde par exemple ce monsieur qui est debout sur un vélo qui est à l'envers. Bon, revenons à notre problème. On connaît ici la vitesse à laquelle tu te déplaces, c'est un cinquième de kilomètre par minute. On sait aussi la durée qu'il te faut pour aller de ta maison à celle de ton ami, c'est 10 tiers de minute. Et on aimerait connaître la distance entre ta maison et celle de ton ami. À ton avis, quelle est l'opération qu'il faut faire pour résoudre ce problème? N'hésite surtout pas à mettre pause sur la vidéo pour essayer de résoudre le problème tout seul. L'opération qu'il faut faire ici, c'est en fait une multiplication de fractions. Il faut multiplier la vitesse à laquelle tu te déplaces, qui est ici un cinquième de kilomètre par minute, un cinquième de kilomètre par minute, multiplié par la durée qu'il te faut pour aller de chez toi à la maison de ton copain, 10 tiers de minute. Et on se retrouve ici avec une multiplication de fractions. Et ça, on sait le calculer. On sait que le numérateur du résultat va être le produit des numérateurs, donc 1 multiplié par 10. Et au dénominateur du résultat, on va avoir le produit des dénominateurs, 5 multiplié par 3. Ça fait combien tout ça? 1 fois 10, c'est égal à 10. Et 5 fois 3, ça fait combien? Oui, c'est bien ça fait 15. On trouve comme résultat 10 quinzièmes de kilomètre. Mais est-ce que 10 quinzièmes, c'est une fraction qu'on peut simplifier? Pour cela, il faut voir si 10 et 15 sont tous les deux divisibles par un même nombre. Eh bien oui, 10 est divisible par 5 et 15 c'est aussi divisible par 5. Donc on va diviser 10 par 5 et on va également diviser 15 par 5. 10 divisé par 5, ça fait combien? Oui. Ça fait 2. Et 15 divisé par 5, ça fait combien? Exactement, ça fait 3. Parce que 3 fois 5, c'est égal à 15. Et on trouve comme résultat 2 tiers, qui est une fraction non simplifiable. 2 tiers, c'est déjà simplifié au maximum. Donc la distance entre ta maison et celle de ton copain, c'est 2 tiers de kilomètre. Et nous avons résolu notre problème. À une prochaine vidéo.